L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, dimanche soir à la grand-messe du cinéma hollywoodien, le Québec a encore une fois célébré le succès d'un de ses illustres ambassadeurs. Un fils de Gentilly, un secteur de la ville de Bécancour, le cinéaste Denis Villeneuve a vu son film Dune remporter pas moins de 6 Oscars. Et pourtant, tous les experts s'entendaient pour dire que Dune était le genre de film sur lequel même le plus aguerri des réalisateurs aurait pu se casser les dents. Denis Villeneuve n'en est pas à sa première présence à la prestigieuse cérémonie. En 2017, son film Arrival avait récolté 8 nominations. En 2018, Incendie avait été nommé dans la catégorie Meilleur film étranger. Cette année, 10 nominations pour Dune. Mais le plus grand accomplissement de Denis Villeneuve, Monsieur le Président, c'est certainement d'avoir confirmé qu'il mérite pleinement sa place au sein du club sélect des plus grands réalisateurs de notre époque. Il fallait entendre ses collaborateurs l'encenser, saluer son immense talent et surtout rendre hommage à ses qualités humaines, à son ouverture aux autres et au plaisir qu'ils ont eu à travailler en sa compagnie. Une chose est certaine, Denis Villeneuve ne manquera pas de beaux projets pour nous émerveiller au fil des prochaines années. Et le Québec ne tarira pas de fierté, Monsieur le Président. Bravo!